On en vient au sport. En attendant la finale homme demain, Rafael Nadal, Robin Söderling. Chez les femmes, cet après-midi, c'est l'italienne Francesca Scavione qui a remporté le tournoi de Roland-Garros. Elle ne faisait pas partie des favorites. Elle a battu l'australienne Samantha Stosur. Elle n'a pas caché sa joie. Commentaire Benoît Véran. 29 ans et toutes ses dents pour un sourire et une victoire qui fera date à Roland-Garros. Francesca Schiavone est la première italienne de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem. Sa famille était là, 10 heures de route depuis Milan, pour un moment inoubliable. Je pense à tous ceux qui regardent, aux Italiens qui regardent. Je me sens incroyable aujourd'hui. C'est moi la championne aujourd'hui, alors je suis très heureuse. Merci à vous tous. La perdante, c'est l'Australienne Samantha Stosur. C'était elle la favorite. Schiavone n'est que 17e joueuse mondiale. Pourtant, elle va passer en force et remporter le premier set 6-4, faisant vaciller Stosur. Lors du deuxième set, l'Australienne mène 4-2, mais l'Italienne remonte jusqu'au tie-break pour finalement s'imposer 7-6. Francesca savoure la plus belle victoire de sa vie. Oui, c'est une joueuse incroyable. Elle est très puissante, mais aujourd'hui j'ai été plus agressive qu'elle. La vérité c'est que je ne savais pas, mais j'ai poussé au maximum. Alors qu'on attendait les sœurs Williams ou encore Justine Hénin, on a eu Francesca Schiavone. Un vrai bonheur.